En un mot, ça serait un outil de partage. Possibilité de pas mal d'interactions sur cette plateforme. Clicodrome, chronophage, mais puissant. Je ne suis pas un grand utilisateur de Moodle. J'ai une prédilection en fait pour les évaluations, parce qu'en fait c'est vrai qu'il y a des templates prêts à l'emploi qui sont dans Moodle, et quel que soit le mode d'évaluation. Je pense comme tout le monde, le rendu de devoir. Je dirais que la fonctionnalité de Moodle que j'utilise le plus, c'est le dépôt de fichiers. J'ai commencé à me former à Moodle il y a très longtemps. Persuadé du bien fondé, je me forme au fur et à mesure. Non, je ne me forme pas à Moodle. Je suis un mauvais élève de ce point de vue-là, clairement. Bonjour, Marc Bonville, DRH chez Best Inc. Lab. Nous sommes ravis de vous compter parmi nos effectifs. J'ai reçu un mail ce matin, anonyme bien sûr. Quelqu'un a déposé une bombe dans le local de stockage des déchets toxiques. Nous aurons une heure pour désamorcer la bombe. Je compte sur vous pour trouver et me communiquer au plus vite l'identité du coupable et ses motivations. S'il vous plaît, désamorcez cette bombe au plus vite. J'ai participé à l'expérience des amorçages toxiques en premier lieu pour découvrir la pédagothèque. Donc on découvre une interface agréable, un univers coloré. Je suis rentrée très rapidement dans le jeu et voilà, et j'ai rapidement réussi à me déplacer dans l'ergonomie, à cliquer sur différents endroits sans problème. Donc que du cool, c'est parti. Le format m'a bien plu. Toute cette histoire, c'est un super prétexte pour appréhender la pédagothèque numérique. La difficulté va croissante, il y a des vannes du second degré, les énigmes sont variées et les apprentissages sont distillés petit à petit par les personnages avec qui on interagit dans le jeu. J'étais curieuse du format jeu en fait. Je voulais voir comment rendait un jeu en ligne. Et surtout, ce que j'aime bien, c'est que ça reste un jeu. Je suis vraiment rentrée dans l'histoire, hein. Je ne voulais pas exploser. Donc vraiment, c'était quelque chose qui m'a engagée dans la recherche. On rigole, on joue, quoi. Donc vraiment une très bonne expérience.